Bonjour à tous, bienvenue sur Nord Latitude. Aujourd'hui, on va regarder comment optimiser une virtualisation. Donc là, tout d'abord, avant, quand vous faites l'installation, vous mettez Typefix pour le disque dur, ça sera plus rapide. Maintenant, on va regarder la virtualisation sans être optimisée, ses performances. Donc ça fonctionne quand même, mais c'est les paramètres par défaut. Et ensuite, une fois optimisé, je vous ferai voir la différence une fois optimisé. Maintenant, on va procéder à l'optimisation de la virtualisation. Vous cliquez sur Configuration, Système. Alors là, je vais régler la mémoire. Donc vous allez jusqu'à la fin du trait vert par rapport à la mémoire dont vous disposez. Donc moi, j'ai 32 Go de RAM. Et voilà, je vais juste à la limite du trait vert pour que ça fonctionne correctement. Maintenant, le processeur, j'ai un 6 cœurs. Je vais allouer 5 cœurs pour la virtualisation. Toujours laisser un cœur pour le système hôte. Maintenant, on va paramétrer les performances en affichage. Vous allez dans Affichage. Et vous réglez à fond 128 mégas pour l'affichage. Vous pouvez activer également l'accélération 3D. OK. Voici les paramètres de ma virtualisation une fois optimisée. J'ai presque 24 Go de mémoire, 5 processeurs au LEDIN et 128 mégas pour l'affichage. Et je lance et vous allez voir la différence de performance par rapport à avant quand ce n'était pas optimisé. Donc voilà, elle est chargée. Donc là, je suis sur disque dur SSD, ça marche bien. Et voilà, vous voyez la différence? La virtualisation est beaucoup plus performante une fois optimisée par rapport à votre machine. Ça répond tout de suite. Voilà, c'était mes conseils pour une optimisation qui fonctionne bien. J'espère que mes conseils vous auront aidé à avoir une bonne virtualisation. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, ciao! Rejoignez-nous sur Telegram pour échanger Nerd Attitude. Nerd Attitude, la chaîne des passionnés d'informatique.